Soldats ici. Uniquement des pirates. Ils doivent tenir tout. Mais d'où t'en venir ici? C'est incroyable, non? Elle devrait savoir. Bah, après tout. Au fond, plutôt. Connaissant le cas. Ah!
aucune chance. Xenia et son équipage ont vraiment détruit cet endroit. S'ils brûlent tout, comment espèrent-ils calmer la population ? Ayez pitié! À qui demandes-tu pitié? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Cassandra. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Cassandra. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. On m'a dit que tu vendais des informations. Entre autres choses, oui. Je cherche quelqu'un. Entrer dans ma ville en tuant mes hommes est une drôle de manière d'entamer des négociations. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me refuse l'entrée. Et je n'ai pas de temps à perdre. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précise, Cassandra. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'Aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme, au juste ? C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. Oh, quelque chose que... C'est Aspasia qui m'a envoyée vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Tu as tué quelques-uns de mes hommes. Ce genre de crime suppose une compensation. Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? J'ai une ville à défendre, des gens à protéger. Je n'ai aucune envie de partir en guerre. Je veux seulement que la guerre ne vienne pas jusqu'ici. Tiens, prends. Ravi de faire affaire avec toi. Combien de temps vais-je devoir attendre pour ces informations ? Je les ai, déjà. Pardon ? Tamirine navigue désormais sous le nom de Phénix. Elle a commencé dans mon équipage, et l'a quitté il y a peu de temps.
Il faut que je parte. Tu es chez toi, à Chaos. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon but. Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phoenix. Je continuerai à chercher. Tu es une bonne pirate. Et tu es une amie meilleure encore. Ne m'oublie pas. Tu sais où elle est en ce moment ? Elle est partie au sud-est avec son équipage pour une tâche plus grandiose. Elle a travaillé pour toi ? Quelque temps. Pourquoi est-elle partie ? Elle s'intéresse beaucoup trop à la politique et à cette guerre. Ce n'est pas sain pour un pirate. Je reste sans nouvelles depuis qu'elle est partie. Le voyage est long de Chaos à Sparte. Elle a vu la liberté. Ensemble, nous avons régné sur les eaux. J'ai du mal à l'imaginer en pirate. C'est le genre de femme qui, quand elle s'est fixé un but, l'atteint toujours. Merci. Je... Un foyer, ce n'est pas un toit. Ce sont des proches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il y aura une place pour toi ici. Je devrais avoir assez d'informations désormais. Il faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. Ugh.